commence ici avec un culotton. Un culotton de printemps ou d'automne, noir. Ouais. Qui vont faire comme des pantalons de cuir. Ouais. Et tu vas avoir chaud quand tu vas passer dans l'eau. Tu peux les enfiler. Alors, c'est un culotton qu'on avait déjà à la maison. Ensuite, des bottes noires qu'on avait aussi déjà à la maison. Ouais. Ensuite, on met les bottes. Alors, c'est parfait pour les bottes et le pantalon noir. Qui donne un effet de cuir et de bottes de moto. Et en plus, il fait froid ici, alors quand on passe l'Halloween, il fait froid. Alors ça prend des vêtements chauds. Ensuite, on pourrait mettre... On a trouvé ici... J'ai trouvé un petit veston en simili-cuir. Du style un peu... moto. Pour enfants. Sur Wish! Pour environ 20-25 $ en fil d'art. D'avant. C'était. Wow! Ben, je vais t'aider à zipper, je pense. Il y a déjà plein de zippers. Attends, regarde. Attends, un peu, c'est... C'est quoi ça là? Ça ici, ça se dip avec ça. Ici, là. Là. Oh! Tu t'aimes? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Non, c'est normal, c'est sur le côté, c'est fait de même. Parce que moi c'est fait de moi. Ça? La partie intéressante du costume. Le maquillage. Ouais. Regardez le beau masque qu'on a trouvé chez Walmart. Fais l'allumer. L'allume. Alors quand on a vu ce masque au Walmart, on a tout de suite dit oh, un costume de Ghost Rider. C'est sûr et certain. On a acheté des chaînes chez Dollarama, magasin à 1$. Aussi au magasin à 1$, des petits gants enflammés. Un petit mousqueton pour la chaîne. Pour les cheveux, j'aurais aimé avoir du orange, mais j'ai du rouge. Chez Walmart. Puis j'ai trouvé ça chez Walmart, hein. Pour les pointes, un peu d'orange, un cache-cou parce qu'il fait froid dehors, alors oui, orange. Chez Dollarama, c'est un cache-cou de chasse qu'on va tourner à l'envers pour qu'il soit orange. Et des caches-oreilles pour avoir chaud toujours dans le noir. Et ça cache le cou ici. Non seulement ça va faire l'effet de feu qui sort de ton chandail, pas de ton chandail, de ta veste, mais aussi ça va cacher ton cou pour pas que t'aies froid. C'est sûr qu'on voit un peu l'effet de chasse en dedans, mais il va y avoir le masque qui va venir combler là-dedans. Alors le masque, on va enlever le truc de testeur. Oh, une main, c'est jamais bien. Bon, j'ai réussi à l'enlever.
pince au piton pour voir. Tu vois que ça va rester aligné comme ça. Faire pince au piton. Je pense qu'il y a plusieurs modes. Regarde, tu peux le mettre qui flash comme ça. Par paysan. Ah, regarde, tu peux le mettre qui flash vite. Puis paysan, ça doit arrêter. Ouais. Trois modes! Trois modes, c'est cool! Est-ce que c'est cool? Ouais. C'est super cool. Ensuite, on pourrait mettre la chaîne, peut-être. Hein? Alors, c'est une chaîne en plastique. Oh! De chez Dollarama, j'ai dit, tantôt. On va enlever les étiquettes. J'avais pas d'autres mousquetons noirs, mais j'ai pris des petites attaches. Comment on appelle ça, ces attaches-là? Des attaches à fil, là, des petites attaches. Pas à pain, mais. Des contours, là. Comme pour les fils, là, noirs. J'avais trouvé des noirs. J'ai attaché ensemble. Un twist. Ça. J'ai eu deux mousquetons, mais c'est bien aussi. Est-ce que tu peux l'enlever facilement? Il manque les cheveux, le masque, puis les petits gants. Puis les écouteurs. Ah, puis les cache-oreilles pour avoir chaud. Ce qui n'est pas nécessaire pour le costume, c'est juste pour avoir chaud. Quand on passe l'Halloween, parce que ici, il fait fret. Du gel à cheveux, Survivor. Évidemment, Logan n'a pas les cheveux très longs, alors ça fera pas des pics énormes. Mais pour un garçon qui aurait les cheveux plus longs, ça serait encore mieux. On aurait pu là, bricoler quelque chose, là, mais... Ah, c'est ça. Ça sent bon, te soif. Alors, je ne suis pas coiffeuse. Mais sauf que décolle un peu la chaise. Voyons, on décolle ta chaise! Viens ici voir. Tiens-toi! On va mettre plus des airs possible. Si t'avais les cheveux plus longs, je te ferais des. Tu sais, vraiment des pics, là, des triangles, là, comme. C'est drôle. Hein? Tu viens d'aller chaque fois. J'ai ça. Notre craie orange, parce que j'ai pas trouvé de spray orange. C'est pas grave. C'est de la craie. Ben, la craie, c'est comme un colorant pour les cheveux, je pense. Regardons. Normalement, c'est pour les cheveux longs, comme plus. Je sais pas si ça va marcher. Je peux pas. Ouais, c'est pas terrible. Ça fait juste des petits points, là. Dans la vidéo, on voit rien. Ça marche pas, ça. Ça marche pas bien pour les cheveux courts, en tout cas. Shake well, before. Tu veux pas ressembler à ça? Elle trouve pas belle? Non, mais là, tu seras pas multicolore. Je vais mettre la langue bleue. Ouais. Ouais. T'en mettre plus. Ok? Je vais regarder mon rêve. Ça pue vraiment beaucoup, là. On met. Oh, des beaux gants. Ouh, wow!
Dollarama. Ouais, Dorothy. On est bien, là, on est bien. Il y a déjà décousu, il y a déjà lâché. Qu'est-ce qu'il a lâché? Le masque. On fait une réparation! Bon, on a réussi, on a mis. Montre comme qu'est-ce qu'on a mis ici là. Vive les épingles à couche! Toujours avoir une épingle à couche à portée de la main dans son petit kit de réparation rapide. Hurrah! Ok, là c'est la manette. Ça arrêtait pas de la cacher dans ton linge, comme. On aurait pu la mettre. Ouais, par en dessous. On va la rentrer par en dessous. La mettre dans ta poche, peut-être. Ça passe. Ah, j'ai chaté, excuse! La poche! Mais ça, après. Ah, t'as-tu tes poches de culotton? Oh! On reste allumé ou on flash? Vite! Allumé! Flash vite? Oui! Wow! C'est bien beau ça! Il est super beau! C'est beau ça! Avec le sac de chez Dollarama! Ça va, boy! Vous! Vous! Innocent! Innocent! Vous! Petit jeune! Okay. Welcome to